Alors, si on fait cet effort, parce que comme je vous ai dit, la masse, c'est pas très intéressant, ça ne nous permet pas de comprendre, c'est juste des problèmes pratiques de manipulation, il vaut mieux regarder les nombres. Là, on est vraiment avec la racine des choses. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est transformer la composition d'une cellule vivante. Donc là, on a pris une bactérie, parce que il faut savoir qu'à l'échelle de la cellule, il n'y a pas trop de différence entre une bactérie, un être vivant, un être humain, un champignon, un ver de terre, tout ça c'est pareil. Il y a une cellule qui est relativement bien définie, il y a des petits détails dont on parlera tout à l'heure qui sont différents, mais grosso modo, si on s'intéresse juste aux petits objets, c'est à peu près la même chose. Donc là on sait par exemple qu'une bactérie, c'est si je prends 100 g d'Escherichia coli, j'ai à peu près 70 g d'eau. Donc un poids de 70%. Je connais la masse de ces bactéries, elle est très petite, 7 × 10⁻³ g. Je connais leur taille, c'est des bactéries qui font 1 micron de longueur sur 0,5 micron de rayon, donc des petits bâtonnets, des petits cylindres. Donc une fois que vous avez ces chiffres, vous pouvez calculer combien il y a de molécules d'eau dans un être vivant. Ici, vous voyez, on est de l'ordre du milliard, 22 milliards de molécules d'eau. Et surtout, après, vous pouvez calculer tout le reste, c'est-à-dire les ions, les acides aminés, les lipides, les nucléotides, les protéines, l'ARN, les polysaccharides et l'ADN. Et là, je ne vous ai pas mis les chiffres parce que, bon, ils sont dans le livre, je les ai déjà donnés dans beaucoup de conférences. Je préfère cette représentation, pourquoi? Parce que ça vous montre que vous êtes essentiellement de l'eau. C'est-à-dire que si on considère en nombre, vous êtes fait à 99% d'une seule substance, qui est l'eau. Vous voyez que les autres composants, par exemple les ions, sur ces 99,1% vont compter pour 0,5%, donc vous arrivez à 99,6%, et les 0,4% qui restent, c'est quoi? C'est toute la matière organique. Donc, tout ça. Tout ça, c'est à peine 0,4%. Donc ceci nous montre que un être vivant, c'est avant tout de l'eau et des ions dispersés dans une matrice organique. Et que cette matrice organique, elle est en fait totalement négligeable en nombre. Même si en masse, elle correspond à peu près à 30%, en nombre, elle est négligeable. C'est-à-dire qu'il faut très peu de matière organique, et par contre, il faut beaucoup d'eau et beaucoup d'ions. Non, je veux pas. Bon, un truc. Ah ben oui, je sais. Il n'y a pas le capteur. Ah, ça marche. Alors, on peut regarder un petit peu les ions. Ça sont les ions de la vie. Hein. Ça, ce sont les ions de la vie. Potassium, magnésium, sodium, chlorure, bicarbonate, fer, calcium, et ce qu'on appelle les oligoéléments que je vous ai listés ici. Zinc, iode, sélénium, cuivre, chrome, manganèse, bore, molybdène, cobalt, strontium, nickel, vanadium, silicium. Donc c'est-à-dire qu'il vous faut de l'eau et tous ces éléments pour commencer à pouvoir fonctionner en tant qu'être vivant. Alors ici, il faut important de bien faire une distinction entre deux choses. Il y a une partie de ces éléments qui vont servir à la structure des systèmes. Quand on parle de structure, c'est-à-dire qu'il faut développer une certaine construction dans l'espace, et on a ce qu'on appelle des éléments de structure. C'est-à-dire, par exemple, il faut faire une cavité, il faut faire un squelette. Donc ça, il y a un certain type d'élément qui va servir à ça. Après, il y a d'autres éléments qui, eux, ne sont pas nécessaires à la structure, mais qui sont là pour que la structure ait une fonction, c'est-à-dire servent à faire quelque chose. Donc ça, c'est important de bien faire la différence entre ce qui est pour la structure et ce qui est pour la fonction. Donc l'eau a cette caractéristique, c'est qu'elle sert pour les deux. L'eau fait la structure et la fonction. C'est pour ça qu'elle est très importante, parce qu'elle agit sur les deux niveaux. Par contre, les ions n'ont pas du tout. Par exemple, le potassium est un cation de structure. Pourquoi? Parce qu'il est associé toujours à des protéines.
Et des protéines ont toujours une charge négative. Comme la matière ne peut pas exister sous forme d'ion, elle est toujours électriquement neutre, ça veut dire qu'il faut aller chercher une espèce positive pour contrebalancer la charge négative. Et la nature a choisi pour ça le potassium. Donc le potassium est un cation de structure. C'est-à-dire que si vous voyez du potassium qui part dans l'eau, qu'est-ce que ça signifie ? Que vous êtes en train de casser la structure. Toute augmentation de potassium est signe que la structure est en train de foutre le camp. Mais si la structure fout le camp, ça veut dire que l'espèce est en train de mourir. Donc c'est pour ça qu'on reconnaît le cation structure, c'est qu'il est automatiquement associé à un verdict qui est la mort. Un autre cation, alors ils sont classés par ordre d'importance, hein, ça c'est le plus important, en concentration 54,4% des ions sont du potassium, des ions de structure. Après on trouve le magnésium, lui c'est un cation de fonction, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour faire des structures, il est là pour circuler et assurer des fonctions. Donc les fonctions du magnésium, c'est essentiellement de venir se coller partout où il y a des phosphates. Alors, où c'est qu'on trouve des phosphates ? Hein ? Non, phosphate, on peut y avoir des phosphates dans l'eau, mais c'est surtout dans une molécule qui est très importante, qui est l'ADN et l'ARN, ainsi que dans tous les molécules à base de phosphore, comme l'ATP, l'ADP, le NADPH, toutes les petites molécules qui ont de fonction, sont toujours associées avec du phosphore. Et comme le phosphore amène une charge négative, il faut le compenser par une charge positive, et c'est le magnésium qui joue ce rôle-là. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de magnésium, vous pouvez garder la structure. Parce que c'est le potassium. Mais qu'est-ce que vous perdez ? Vous perdez la fonction. Et la section est la même. Plus de fonction, égale mort. Donc le magnésium est aussi un cation qui est intimement associé à la vie, mais pour une autre raison. Parce que si vous n'en avez pas assez, ce sont les fonctions qui ne sont pas là. Et si vous n'avez pas les fonctions, vous ne pouvez pas vivre. Donc vous voyez, on peut mourir par débobination de la structure, on peut mourir par pas assez de fonctions. Donc ça, c'est pour ça que la paire potassium-magnésium est très intéressante. Le sodium, lui, c'est un cation d'hydratation. C'est lui qui va faire que la cellule va s'hydrater ou pas. C'est-à-dire qu'une cellule, c'est fait à 99% d'eau, et comme vous l'imaginez, cette eau, elle n'est pas forcément toujours dans la cellule. Elle peut sortir de la cellule ou elle peut rentrer. Donc il faut un agent de régulation de ce mouvement de l'eau. C'est le sodium. On va jouer avec le sodium pour pouvoir régler la balance hydrique. Le sodium a un problème, c'est qu'il est électriquement positif. Comme je vous l'ai dit, la matière doit toujours être neutre. Donc il va y avoir un anion qui va être associé au sodium. Cet anion, c'est le chlorure. Donc en fait, c'est la paire chlorure de sodium qui règle les mouvements de l'eau. Donc là, on est sur le mouvement de l'eau, c'est pour ça qu'il nous faut du sodium et du chlore pour pouvoir hydrater ou déshydrater, quand on a trop d'eau, hydrater quand on n'a pas assez d'eau. On va jouer sur le sel. Voilà, les bicarbonates... Le chlore est positif, c'est ça, hein ? Pardon ? Le chlore est positif. Négatif. Négatif. Et le... ben, il est là parce qu'il faut du sodium, hein. C'est uniquement son rôle. C'est parce qu'il y a du sodium qu'il faut un anion, et la nature a choisi le chlore. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on sait pourquoi c'est le chlore, mais bon, après ça devient trop pointu... Il faut juste connaître le rôle des ions, clairement à quoi ça sert. Donc en gros, si vous par exemple, vous augmentez très fortement le sel, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, le sel va attirer l'eau. Si à l'inverse, vous n'avez pas assez de sel, eh bien, vous allez avoir retiré l'eau pour aller vers des milieux qui sont plus salés, pour hydrater ou déshydrater. Le bicarbonate. Donc lui, c'est directement lié, c'est un cation de fonction, évidemment. Ce n'est pas un cation de structure. Il est directement lié à ce que je vous ai dit. C'est que dans l'eau,
Il y a aussi deux notions, enfin trois notions qui sont importantes, c'est la résistivité, qui est pilotée ici par le chlorure de sodium. C'est ça qui va définir la résistivité, puisque c'est là où il y a le Na+. Mais il faut aussi du pH. Il faut réguler le pH, la quantité d'H3O+. Donc ça, c'est le rôle du carbonate. Pourquoi on utilise le carbonate? C'est à cause de cet équilibre. On va faire réagir une molécule de CO2 avec une molécule d'eau pour faire ce qu'on appelle l'acide carbonique. Qui est très instable. Et qui se décompose en bicarbonate, l'ion, et un proton. Et c'est là qu'arrive la régulation du pH. Donc, on joue sur cet équilibre via la respiration. Vous avez sûrement tous fait ça, suivant la manière dont vous respirez. Si vous respirez très vite, par exemple, vous êtes plutôt en milieu oxygéné, c'est-à-dire que vous baissez la concentration en CO2, et quand vous baissez la concentration en CO2, vous diminuez, vous faites disparaître les protons, c'est-à-dire que vous devenez alcalin. Si par contre, vous retenez votre respiration, vous augmentez la concentration en CO2, et à ce moment-là, vous poussez l'équilibre vers la dissociation, vous êtes en acidification du sang. Et donc, vous pouvez comme ça régler le pH du sang via la respiration. Donc, c'est pour ça que le bicarbonate est quelque chose qu'on le trouve dans la vie. C'est parce que c'est une espèce qui est importante pour tous les êtres qui respirent, qui ont un système respiratoire. Comme vous l'avez vu, à côté du pH, il y a le RH2. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un cation qui contrôle l'état redox. Et c'est le fer, qui a la propriété d'avoir 2 degrés d'oxydation. Fer de plus, qui est réducteur. Donc, RH2 inférieur à 28. Fer 3 plus, qui est oxydant. RH2 supérieur à 28. Et comme vous le voyez, là, c'est l'électron et non le proton qui est responsable de la variation d'état d'oxydoréduction. Donc là, vous faites varier l'état redox avec le fer. Dernier cation qui est fondamental, c'est le calcium. Alors le calcium, c'est un cation aussi de fonction. Et lui, alors on reconnaît les cations de fonction au fait qu'ils n'ont pas besoin d'être en grosse concentration. Ce sont des concentrations qui sont relativement faibles par rapport aux cations de structure qui, eux, sont forcément en grosse quantité. Donc le calcium, lui, son rôle, c'est le messager. C'est-à-dire que la cellule doit traiter de l'information. Donc comment elle fait? Cette information, il lui faut un messager. Quelqu'un qui dise, il est en train de se passer quelque chose, il faut faire quelque chose. Action, réaction. Donc c'est le calcium. Pourquoi le calcium? Là, c'est un petit peu plus subtil. Mais ça se comprend aussi relativement aisément. Ça, c'est quelque chose que je vous invite à encadrer, à mettre en plus dans votre salon. Cet acronyme Schrumpf, carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. Soufre. Ce sont les éléments organiques dont on a besoin pour faire la structure et la fonction. Donc ici, vous avez
les éléments de structure, chon, et le PS. Mais ce n'est pas le Parti Socialiste, hein, c'est le phosphore et le soufre sont des cations de fonction. Il y a toujours cette partition dans la nature entre ce qui sert à faire des structures et ce qui sert à faire des fonctions. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens, par exemple, vous les reconnaissez, quand ils vous disent la matière organique c'est chon, vous devez voir ça des fois, non, ils vous disent chon, ils enlèvent PES, pourquoi? Parce qu'ils ne s'intéressent qu'à la structure. Et c'est vrai que si vous vous intéressez qu'à la structure, l'aspect phosphore et soufre, pas très important. Par contre, si vous incluez l'aspect structure et fonction, vous devez rajouter le phosphore et le soufre. Alors, ils peuvent aussi agir sur la structure, mais de façon un petit peu plus indirecte. Là, on a les cations qui sont les éléments qui sont les plus importants. Pourquoi il n'y a pas de magnésium, par exemple? Parce que là, il y a phosphore. Non, parce que là, j'ai séparé justement ce qui est électriquement chargé. Magnésium, par exemple, il ne peut pas exister à l'état de magnésium, il existe sous forme de plus. Donc, il lui faudra automatiquement, par exemple, de chlore pour compenser la charge. C'est ce qu'on appelle les cations et les anions. Ici, ce sont des éléments qui ne sont électriquement neutres, c'est-à-dire qui n'ont pas de charge électrique, par exemple. Si je prends ces deux éléments... Donc je les trouve dans la nature, directement disponibles. Voilà. Si je prends ça, par exemple, cette combinaison, un carbone et quatre hydrogènes. T'as mis où la boîte? Voilà, elle est là. Cette combinaison n'a pas de charge électrique. C'est équilibré. C'est équilibré, c'est CH4, ça existe tout seul. Ça peut... Alors quand on n'a pas de charge électrique, ça se reconnaît. Le carbone a 4 électrons. Il a 4 valences. 4 valences. Après, on peut utiliser des électrons, mais il vaut mieux parler de valence. Quand il est sous cette forme-là, vous n'avez pas de charge électrique, ça veut dire que vous allez être automatiquement gazeux. Vous ne pouvez exister qu'à l'état gazeux. Vous ne pouvez pas exister à l'état solide. Si par contre vous avez des charges électriques, par exemple du magnésium et des chlores, automatiquement vous serez solide. Sous forme de réseau où on a des magnésiums qui alternent avec des chlores pour former un réseau solide. La conséquence d'avoir une charge électrique, c'est que vous serez forcément à l'état solide. Vous ne pouvez pas résister électriquement à l'état gazeux. Par contre, quand vous êtes neutre électriquement, vous pouvez résister à l'état gazeux, vous pouvez bien sûr résister aussi à l'état solide, parce qu'il suffira de baisser la température, mais vous avez accès aux trois états, solide, liquide et gaz. C'est l'avantage d'être neutre. Dès que vous avez une charge électrique, plus de liquide, plus de gaz, plus que du solide. Donc c'est pour ça qu'il y a des combinaisons. Toutes les combinaisons hydrocarbonées, par exemple, sont soit des gaz, comme le méthane, soit des liquides. Par exemple, vous connaissez très bien l'octane, qui est l'essence qu'on met dans le carburant. C'est un assemblage de 8 atomes de carbone. Vous prenez ceci. CH2. J'ai deux valences disponibles, ce qui fait que quand j'ai des CH2, qu'est-ce que je peux faire? Là, je peux les coupler. Il y a ce qu'on appelle une liaison carbone-carbone. Et regardez ce qui se passe.
Ça, c'est le miracle de la fonction CF2. C'est que j'ai fait un couplage, mais j'ai toujours deux. Je reprends. Je suis CH2. J'ai combien de valences bleues ? Donc ça, c'est électriquement neutre ou pas ? Oui. Non, là, je ne suis pas électriquement neutre. Enfin, je suis sous forme CH2. J'ai deux valences disponibles. D'avoir deux valences disponibles, ça veut dire que je peux me lier à d'autres par là et par là. Vous voyez ce que j'ai fait ? Là, j'ai deux CH2. Donc ces deux valences, plutôt que de les avoir séparées, qu'est-ce que j'ai fait ? Je les mets en commun. Vous voyez ? Mais regardez ce qui se passe. J'ai toujours les deux. Ah oui. Si vous connaissez le sketch de Raymond Devos, quand j'ai un bout, j'ai toujours un bout au bout du bout. C'est... Je peux ensuite... Il y a encore deux valences. Je reprends un autre CH2. Non, on n'en finit pas, si. Exactement. Ça s'appelle un polymère. Ou si vous préférez, une huile. Et ça, c'est... Oui. Il n'y a pas de charge. Voilà, vous voyez, j'ai encore un CH2. J'ai une valence de libre ici. Qu'est-ce que je fais ? Hop. Maintenant, j'ai trois CH2, mais j'ai toujours deux valences. Donc comment je peux faire ? Je peux enlever ces deux valences et mettre déterminateur, ce sont les hydrogènes. Maintenant, j'ai plus de valence. J'ai ce qu'on appelle une molécule gazeuse. C'est le propane. CH3, CH2, CH3, propane. Vous savez tous à quoi ça sert. Ça se met en bouteille, pourquoi ? Parce que si on ne monte pas la pression pour que ce soit liquide, ça fait un gaz. Et c'est justement ce qu'on fait dans la bouteille, il est liquide. C'est pour ça que vous avez vu les bouteilles de gaz, c'est bonne épaisseur, hein, parce qu'il y a une pression. Et on fait juste un jour un robinet pour que la molécule s'évapore. On met une flamme et ça fait votre échaud à gaz, votre cuisinière. C'est le H2 qui fait la chaleur ? Non, non. C'est le H ? C'est une transformation chimique. C'est-à-dire que ça, c'est une espèce réduite, réductrice si vous préférez, et que la nature va toujours vers les espèces oxydées. Donc quelle est l'espèce oxydée du carbone ? La voici. Tu me donnes les autres ? Les autres boules. Elles sont où ? Les carbones sont... Les noirs ? Oui, voilà. Ici. Non, mais là, on a un problème. Mais je ne peux pas vous la... Bon, c'est pas grave. Hein. La molécule n'est pas comme ça. Ça, c'est la molécule de dioxyde de carbone, CO2. Et ça, c'est la molécule d'eau. Donc là, le carbone est complètement oxydé. Là, c'est l'hydrogène qui est complètement oxydé. Donc qu'est-ce que vous faites quand vous avez une flamme ? Ces carbones vont devenir, avec l'oxygène de l'air, du CO2. Et ces hydrogènes, avec l'oxygène de l'air, vont devenir de l'eau. C'est-à-dire que cette molécule va se transformer en CO2 et H2O. Et quand vous faites ça, ça fait de la chaleur. C'est la flamme que vous voyez sur votre bec benzène ou sur votre cuisinière. Vous faites cette réaction. Et nous, on fait une réaction de respiration qui est à peu près équivalente. En fait, nous, on fait ça, mais dans la cellule, avec effectivement une respiration. Mais on n'absorbe pas ça. Nous, on absorbe une autre molécule qui est du sucre. On fabrique en fait une autre molécule qui est le sucre et qu'on brûle de la même façon en CO2 et H2O. Pourquoi on prend du sucre ? Parce que le sucre a cette propriété d'exister à l'état solide. Et donc, comme il y a une masse molaire qui est beaucoup plus élevée, il peut exister à l'état solide, donc c'est plus facile à manipuler que des gaz.
Ça n'existe qu'à l'état gazeux. Si vous voulez avoir du propane liquide, c'est possible, mais il faut monter la pression. Et ça, on ne pouvait pas monter la pression à la pression d'une bouteille de gaz dans la cellule. Donc c'est pour ça qu'on va faire un sucre. Alors, j'ai amené un modèle de sucre. C'est écrit, c'est un sachet avec écrit sucre dessus. Voilà, il est là. Voilà pour les courageux. Ça, ce sont tous les ingrédients pour faire du sucre. Donc, il vous faut. C'est la vraie cuisine. De l'oxygène, de l'hydrogène et du carbone. Carbone, oxygène, hydrogène. Avec ça, vous pouvez former du sucre. L'avantage d'avoir le sucre, c'est que là, d'où vient l'oxygène pour faire le CO2 et l'H2O, vous devez le prendre dans l'air. Alors que quand vous êtes dans le sucre, il est déjà là. Et donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'oxygène de l'air. Vous pouvez brûler directement le sucre pour faire le CO2 et l'eau. Pourquoi ? Mais parce que la formule du sucre, c'est, on appelle aussi des carbohydrates. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un carbone, une molécule d'eau. Et vous faites ça n fois. Donc vous voyez que l'eau est déjà là, toute formée. Et ensuite, il suffit juste d'amener de l'oxygène pour faire le CO2 et séparer la combinaison du carbone et de l'eau. Et quand vous faites cette combinaison, vous dégagez beaucoup d'énergie. Cette énergie est récupérée par la cellule pour faire une molécule qui s'appelle l'ATP. Et qu'ensuite, c'est cette molécule qui va servir à faire de l'énergie dans tout le métabolisme. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir si les objets sont électriquement chargés ou pas. Parce que s'ils sont peu chargés, s'ils sont neutres, ils peuvent exister en tant que tels à l'état gazeux, solide ou liquide. Alors que s'ils sont chargés, ils ne peuvent exister qu'à l'état solide. Donc que va devoir faire la nature pour sortir les ions ? Elle a un ciseau qui s'appelle l'eau. Parce que dès que vous allez mettre ces solides dans l'eau, ils vont se dissoudre pour générer des espèces. Alors on va en générer une. Quand on fait sécher de l'eau, il reste tout un tas d'ions qui ne se transforment pas en gaz, mais qui forment des cristaux. Alors après, oui, je vous simplifie au maximum. Je ne vais pas vous... Voilà. Les ions sont comme ça. On les reconnaît en général parce qu'ils ont 6 picots. Vous en voyez 6 ? Je vais vous le faire passer, vous voyez bien. Vous comptez bien le nombre de picots, hein. Moi, pendant ce temps-là, non mais pas celui-là, parce que c'est ça, c'est un autre ion. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire de l'eau. Pardon ? En général, les ions, ils ont toujours 6 picots. Mais encore une fois, je vous simplifie au maximum, hein, parce que je ne vais pas vous faire un cours de chimie. Il faut savoir qu'un cours de chimie, c'est 5 ans d'études en université. Donc, je ne peux pas vous... Je vous dis le strict nécessaire. On va les bases. Voilà. Non, même pas les bases. C'est parce que les bases, vous ne pouvez pas les avoir en 7 heures. Mais par contre, je peux vous donner les points importants. Donc si vous retenez qu'un cation, c'est 6 picots, qu'un carbone, c'est combien de picots ? 4. Et l'oxygène ? 2. Vous pouvez déjà comprendre beaucoup de choses. Alors, le problème de faire ce que je suis en train de faire, c'est qu'évidemment, ça prend du temps. Donc pendant ce temps-là, je ne peux pas vous présenter autre chose. Mais c'est peut-être pas plus mal non plus. En général,
Pas forcément. Par exemple, si vous prenez le méthane, il existe à l'état gazeux, à pression et température ambiante. Si je baisse la pression, ou si je baisse la température, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se liquéfier ou devenir solide. Quand vous êtes gazeux, vous pouvez être dans les trois états, suivant la température et la pression. Par contre, quand vous avez des charges électriques, les états gazeux vous sont interdits. Et liquide, c'est permis, ça s'appelle des sels fondus, mais en général, c'est des températures qui sont au-delà de 600 degrés. Il vaut mieux pas mettre le doigt dedans. C'est bon, il a tourné le picot là. Ben faites-le tourner si je vais en avoir besoin. Hein. J'appelle un picot, c'est un électron disponible sur la. Une valence. Pour ce... Oui, c'est ça. Ouais. On n'a pas besoin d'aller jusque-là, on va dire que c'est une balance. Comment? Une balance. Voilà. J'ai 6 picots. 6 valences, donc il va me falloir combien de molécules d'eau? Parce que ça ne peut pas exister sans l'eau. Hein. Si vous voulez avoir des ions, il faut de l'eau. C'est pour ça qu'il y a de l'eau dans une cellule, parce que si on a besoin d'ions, et que s'il n'y avait pas l'eau, on aurait des sels, des solides. Grâce à l'eau, on va pouvoir transformer tout ça. Alors, 6 picots. Donc, je vais les allonger. Alors, j'aime bien le terme picot parce que d'abord, ça correspond à ce que vous manipulez. Et puis, c'est un terme moins technique que valence. Parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser le terme. Voilà, vous voyez, j'ai mis mes 6 picots. Ça a défini un polyèdre platonicien qu'on appelle l'octaèdre. Bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà. Je vais utiliser mes 6 molécules d'eau. Il y a 6 molécules d'eau qui vont venir utiliser chacun des picots. Là, maintenant, vous avez l'espèce dans l'eau. Elle n'est plus solide. Elle est en solution. C'est-à-dire que, par exemple, c'est du magnésium. Il s'est entouré d'eau. Qui fait la liaison. Oui, il y a une liaison qui s'est faite entre les molécules d'eau et l'ion. Mais remarquez que l'eau en elle-même, elle est neutre. Elle n'a pas de charge électrique. La charge vient du magnésium qui est de plus. Et l'eau n'est pas capable d'annuler la charge. Par contre, elle est capable de l'écranter. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un autre ion qui est associé à ce cation qui sera un anion, qui lui aussi sera entouré d'eau. Et donc, dans le solide, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'anion et le cation sont en contact direct. Que va faire l'eau? Elle va faire une croûte autour de le cation, une croûte autour de l'anion, et maintenant, il va y avoir deux couches d'eau qui séparent les espèces. Et ce qui fait que, comme c'est dans deux couches d'eau, qu'est-ce qu'on peut mettre entre deux couches d'eau? Une autre couche d'eau, ça fait 3 couches d'eau, une autre couche d'eau, ça fait 4 couches d'eau, une autre couche d'eau, ça fait... On sépare les charges. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cation associé à un anion qui est neutre, on va avoir une charge positive qui est mobile et une charge négative qui est mobile. Et quand on a maintenant des charges mobiles, si on met une différence de potentiel, qu'est-ce qui se passe? Ben, les cations sont attirés par la note positive, par la note négative, les anions sont attirés par la cathode positive, et le courant électrique passe. C'est ce que vous avez vu quand on a mis le sel dans l'eau. Le courant électrique arrive, ou si vous préférez... C'est parce que j'ai des ions qui sont séparés par de l'eau, qui me permettent de conduire le courant électrique. C'est bien compris? Dans l'électrolyse, c'est ce qu'on a comme mécanisme, c'est que les ions migrent sur les électrodes. Alors dans l'électrolyse, c'est différent, c'est que là, on casse la molécule d'eau. Alors, quand on casse la molécule d'eau, comme on fait de l'oxygène et de l'hydrogène, c'est des gaz. Ça se retrouve tout de suite. Oui, il y a des formes intermédiaires, mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à la fin, vous avez de l'oxygène et de l'hydrogène. Et
Alors, maintenant que vous savez ça, on va vous introduire. Vous vous rappelez l'expérience avec les bulles? Qu'est-ce que vous aviez dans une bulle? Ah voilà, c'est là. Qu'est-ce que vous aviez dans une bulle? Un film. Et ce film, quel est son rôle? C'est de séparer un intérieur d'un extérieur. Donc c'est exactement ce qu'on va faire avec une cellule. On va prendre ce mécanisme. Mais au lieu de se limiter à 3CH2, comme j'ai fait ici, je vais en mettre par exemple 16 ou 18. CH2, 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 CH2. Alors s'il y a quelqu'un qui a la patience de le faire, il le fait. La boîte est là. Il faut m'empiler 18 CH2 et la magie du truc, c'est qu'on va pas mettre en bout de chaîne un CH3, mais une fonction carboxylate qui a la propriété de pouvoir s'ioniser. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction carboxylate? C'est une fonction qui se termine comme ceci. Et vous voyez qu'ici, on peut arracher un proton pour créer un H+, en laissant de l'autre côté une charge moins. Quand on fait apparaître des charges, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Les anions, les cations ne peuvent exister que s'il y a de l'eau. Donc en fait, c'est l'eau qui va faire cette séparation. Et on va faire ceci. Un ver de terre. Mais là, c'est parce que c'est un jouet d'enfant. Hein. Ça vous représente ici, par exemple, ça c'est la tête carboxylate, qui a une propriété, c'est qu'elle a une charge négative. C'est pour ça qu'on lui met une petite tête qui rigole. Là, vous avez des CH2. D'accord? On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Normalement, il aurait fallu en mettre 16 ou 18. Désolé, je n'ai pas trouvé un ver de terre qui fasse 18 boules. Bon, il y en a 10, mais c'est facile de considérer. Regardez ce qui se passe. Et je vais prendre un deuxième ver de terre. N'oubliez pas que la tête est négative. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'approche deux charges? Ça se repousse. Mais par contre, ils ont une chaîne ici. Et vous voyez ce qu'ils vont pouvoir faire? C'est s'associer, parce qu'ici, il y a beaucoup de CH2, donc ils vont pouvoir se coller les uns aux autres. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Pour ça, il me faut mon rouleau, un rouleau de cellophane. Là. Voilà. Devinez ce que c'est que ça, chimiquement. C'est grosso modo un empilement de CH2. À peu de choses près. Regardez ce qui se passe. Ça colle. Ça colle. Et ça, c'est une des grandes lois de la nature. Plus vous mettez de CH2, plus ça va coller. C'est pour ça que si vous prenez une bougie, qui est formée d'un empilement de 18 CH2, ça n'existe pas sous forme gazeuse ou liquide, mais sous forme solide. Vous avez vu la cire? Ce sont ces forces qui collent. Donc c'est exactement ce qu'on va retrouver ici. Si vous voulez vérifier que ça colle, c'est que là, on va avoir un collage. Et donc, je vais pouvoir faire ça.
Quel est le problème de cette structure? Alors normalement, j'aurais dû en acheter une bonne centaine. Mais à 5 euros pièce, ça m'aurait demandé un budget de 500 euros. Donc j'en ai pris que 4. Est-ce que vous voyez le problème de cette structure? C'est que là, c'est négatif. Là, c'est neutre. C'est donc déséquilibré. Il y a un déséquilibre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre deux autres molécules. Qui sont aussi déséquilibrés, parce que ce côté-là est négatif, ce côté-là est neutre. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Négatif, donc O, négatif, O. De l'eau, de l'huile, de l'eau. Ça s'appelle une bicouche lipidique. C'est une membrane de cellules. Et ça a une caractéristique, c'est que ça se fait tout seul dans l'eau. C'est-à-dire que vous mettez ces objets-là dispersés, mais s'ils sont à partir d'une certaine concentration, ils font ça. Et donc, vous faites apparaître la fameuse membrane avec un extérieur, et un intérieur. J'ai un autre modèle pour vous expliquer ça. Il est ici. Alors, il faut le... Et ce qui comporte beaucoup de CH2, c'est les lipides, en fait. Voilà. Vous voyez? Ici, j'ai une épaisseur. C'est ce qui correspond à cette couche. L'épaisseur est là. Là, j'ai de l'eau. Ici, j'ai de l'eau. Et donc ça, c'est la tête polaire. De ce côté-là, j'ai de l'eau. Et de ce côté-là, j'ai de l'eau aussi. Et entre les deux, j'ai de l'huile, de la graisse. Voilà, donc une cellule, foncièrement, c'est ça. C'est une couche polaire hydratée, une couche d'huile et une autre couche polaire hydratée qui va définir un milieu intracellulaire, là où on est d'un côté, et un milieu extracellulaire quand on est de l'autre. Avec, c'est ça, c'est fondamental, entre le milieu cellulaire intra et le milieu extracellulaire, qu'est-ce qu'on trouve? Une couche d'huile. Mais l'huile telle que vous la connaissez, hein, l'huile d'olive, c'est typiquement ça. Alors, quelle est la propriété de ces couches d'huile? Eh bien, vous avez sûrement fait l'expérience de mélanger de l'huile et de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Ça se resépare. Ça se resépare. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui empêche l'eau et l'huile de se mélanger. Mon cation, il est où? Il est là. Et là, il a un problème, lui. Parce qu'il est en milieu extra. Et c'est du magnésium. Mais mon magnésium, je n'en ai pas besoin en extracellulaire, il me le faut. À l'intérieur, donc il va falloir qu'il traverse cette couche d'huile. Comment il va faire? Ben, comme c'est de l'eau, et que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, ben, il ne passera pas. Il va rester à l'extérieur. Et donc, vous avez un problème. Vous avez votre cation. Il est là, mais il ne peut pas passer. Il a besoin de... Ben oui, puisque il faut qu'il aille à l'intérieur. Et que l'intérieur est, pour franchir cette barrière qu'on appelle la membrane lipidique, je peux vous donner la taille, c'est à peu près 7 nanomètres. Hein. Je vais prendre une autre feuille. Voilà comment on représente la bicouche lipidique. Vous reconnaissez les vers de terre. Donc là, comme je dessine, je peux en mettre beaucoup plus. De l'autre côté,
Je fais la même chose, mais je tourne de 180 degrés. Voilà. Ça, c'est de l'huile. Ici, j'ai l'eau. Ici, j'ai l'eau. Là, c'est le milieu intracellulaire. Là, c'est le milieu extracellulaire. Les cations sont forcément, quand ils viennent de la nourriture, ils sont ici, en dehors de la cellule. Et qu'est-ce que doit faire la cellule? Elle doit les capter, les rentrer. Et pour ça, il faut qu'ils passent ici. Et ça, ça fait 7 nanomètres. Votre cation, par exemple, ici je prends le magnésium, hein, parce que c'est un cation très important, comme je vous l'ai expliqué, mais vous pouvez remplacer le magnésium par n'importe quel cation, sodium, potassium, ça ne change pas. Hein. Ça, ça fait 0,4 nanomètres. Autrement dit, cette espèce qui est de l'eau, hein, parce que n'oubliez pas que quand il est entouré de molécules d'eau, donc c'est grossièrement de l'eau, il va falloir que cette espèce de 0,4 nanomètres franchisse une barrière de 7 nanomètres où il n'a pas le droit d'entrer.